Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Les médicaments, le matériel médical
puis centré de toute urgence par plusieurs voies d'accès au nord comme au sud de la bande de Gaza. Donc, c'est pourquoi l'association France-Palestine Solidarité continue d'exiger du gouvernement français qu'il fasse pression sur Israël pour que cette trêve se transforme en cessez-le-feu permanent. C'est très important, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une baisse de mobilisation au moment où il y a des trêves, des annonces comme ça, d'accords partiels qui sont passés. C'est très important de maintenir la mobilisation pour montrer, pour ne, vraiment que ça se transforme en un cessez-le-feu durable. Et parce que pour construire la paix, on le rappelle à chaque fois, il faut le cessez-le-feu, certes, mais il faut au-delà la fin de l'apartheid, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Donc l'arrêt de l'agression d'Israël contre le peuple palestinien doit aussi concerner toute la Cisjordanie, qui est soumise de manière toujours plus importante et brutale à la violence conjuguée des colons et de l'armée d'occupation. Alors la liste des 300 noms de prisonniers politiques libérables, c'est un bon début, certes, c'est positif, mais elle est bien peu de choses comparée aux 3000 arrestations qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, dont 200 mineurs. Donc là, par exemple, ils ont libéré, je crois, 150 prisonniers palestiniens, mais depuis le 7 octobre, il y a eu 3000 prisonniers supplémentaires. Donc au final, on ne s'y retrouve pas du tout. Donc sans compter les milliers de travailleurs palestiniens de Gaza qui ont été arrêtés, maltraités, humiliés, torturés pour certains. Et maintenant, des rafles qui ont lieu dans toute la bande de Gaza. Des médecins et des soignants qui ont été arrêtés. Des milliers de Palestiniens aux mains de l'occupation dans une zone de non-droit total. Cette vague massive d'arrestations des Palestiniens doit cesser. La volonté proclamée par le gouvernement israélien d'éradiquer le Hamas, alors qu'il en a favorisé le développement, il faut bien se rappeler ça, c'est Israël qui a favorisé la création et le développement du Hamas, ne mènera qu'à toujours plus de malheur pour les peuples palestiniens et israéliens. On le voit bien, les 14 000 morts, ce ne sont pas que des combattants du Hamas, ce sont avant tout, évidemment, dans l'immense majorité, j'ai envie de dire les 99%, ce sont des civils. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui a pu être perpétré par le Hamas le 7 octobre. Le véritable objectif de la guerre atroce menée par Israël contre le peuple palestinien reste le nettoyage ethnique et la dépossession de sa terre. C'est le but à peine masqué de la destruction en cours de la bande de Gaza. C'est aussi l'objectif qui est visé par le vol méthodique des terres et le déplacement forcé d'un maximum de communautés en Cisjordanie. C'est cette entreprise criminelle qu'il faut stopper. Et cette entreprise criminelle, elle n'a pas démarré le 7 octobre. Elle dure depuis des décennies. La mobilisation internationale pour un cessez-le-feu immédiat commence à porter ses fruits. Donc la trêve là, de 4 jours, de 6 jours en tout, en est un exemple. Il faut l'amplifier pour que la trêve devienne un véritable cessez-le-feu total et durable, accompagné de la libération de toutes les personnes emprisonnées de part et d'autre. La seule solution, il faut se le rappeler, la seule solution, elle n'est pas militaire, elle ne sera jamais militaire. La seule solution, elle est politique et elle passe par la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et c'est uniquement cette voie-là, cette voie politique qui permettra d'assurer la sécurité de tous sur cette terre, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. On le rappelle et on ne le rappellera jamais assez, la paix, elle se construit uniquement avec la justice, avec le respect du droit international, avec la fin de l'occupation, de la colonisation des terres, avec la fin immédiate du blocus de Gaza, la fin de l'apartheid. C'est un apartheid qui se passe en Palestine, en Israël. Le mot, il n'est pas. Enfin, on pèse nos mots quand on dit ce terme. Ce sont des organisations internationales telles qu'Amnesty International qui, par des études extrêmement documentées, ont prouvé que c'était un apartheid. La mobilisation populaire a permis d'éradiquer l'apartheid en Afrique du Sud, notamment par des actions non violentes comme le boycott. Eh bien, on réussira aussi à éradiquer cet apartheid, à l'éliminer en Israël pour que Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix juste et durable. Merci beaucoup de votre présence encore. Il y a une grande campagne dans toute
la France, toute l'Europe, même dans le monde entier, qui s'appelle, vous pouvez regarder sur Internet, qui s'appelle Gaza des visages, et qui montre que les 14 000 personnes assassinées ne sont pas que des nombres, mais ce sont avant tout des personnes, des enfants, des femmes, des hommes qui avaient une vie avant d'être lâchement assassinés, qui avaient des projets, qui avaient une vie et une existence, un engagement. Et donc, vous voyez, on a imprimé certaines de ces photos et on peut en retrouver dans beaucoup de manifs partout. N'hésitez pas à les relayer sur les réseaux sociaux. C'est très important qu'on puisse faire connaître qui étaient ces personnes qui vivent à Gaza. Voilà, on peut en donner quelques exemples. Vous allez voir qu'ils n'ont rien de terroriste. Comme par exemple, Amal Alawajri, 27 ans, diplômée en droit et passionnée par la fabrication de bonbons. Elle a été tuée en octobre 2023 avec ses deux enfants, Ayman, 3 ans, et Ahmed, 10 mois, par un bombardement israélien de leur maison à Gaza. Hamza Alawajri, également 22 ans, il terminait son dernier semestre d'éducation physique à l'université. Il a été tué avec sa famille en octobre 2023 par un bombardement israélien dans leur maison à Gaza. Son frère aîné, Yahya, disait deux jours avant son martyr, il disait à ma famille de l'inviter au martyr car tous ses amis étaient martyrisés. On a également Dana Saka, jeune avocate diplômée de l'université Al-Azhar à Gaza, tuée le 25 octobre 2023 avec le bébé qu'elle portait dans son ventre et avec son mari, Taoufik, dans une attaque aérienne de leur maison à Khan Younes. La veille de mourir, elle a déclaré « Je suis habitée par le sentiment que je ne vais pas vivre assez longtemps pour vieillir ». Saïd Al-Tawel, rédacteur en chef du site d'information Al-Kamsa News, tué par un bombardement israélien dans la nuit du 10 octobre, alors qu'il couvrait l'évacuation de la tour Aji, un immeuble résidentiel dans le quartier d'Al-Rimal à Gazaville. Un autre journaliste, Mohamed Jargoun, abattu le 7 octobre 2023, alors qu'il couvrait le conflit à l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Ahmed Shebab, également journaliste pour la radio Saout Al-Asra, tué le 12 octobre avec sa femme et leurs trois enfants dans un bombardement aérien de leur maison à Jabalia, dans un camp de réfugiés palestiniens au nord de la bande de Gaza. Également, alors il y a de nombreux journalistes, il y a également Viola et Yara Amash, deux jeunes palestiniennes qui ont été tuées dans l'église grecque orthodoxe à Gaza City, touchées par un missile alors que des centaines de personnes étaient massées dans l'enceinte de cette église à la recherche d'un abri. On a également de trop nombreux enfants, comme Omar Chamalaka, 2 mois, tué le 8 octobre 2023 avec 10 membres de sa famille dans leur maison au sud-ouest de Gaza. Omar Chaban, 11 ans, tué le 9 octobre 2023 avec sa famille d'une frappe aérienne israélienne sur leur maison dans le quartier d'Al-Nasr, au nord de la ville de Gaza. Batoul Chaban, 7 ans, tué le 8 octobre 2023 avec sa famille. Le petit Awani Adel Eldous, un jeune youtubeur de 12 ans qui rêvait de battre tous les records et de devenir une légende grâce à sa chaîne de jeux vidéo. Il a été tué le 8 octobre 2023. Tous ces visages, tous ces noms, c'est vous, c'est nous, c'est nos enfants. C'est eux qui sont des martyrs, c'est eux qui ont été assassinés et c'est eux qui payent ce prix de la politique israélienne d'épuration ethnique. Donc je vous propose qu'on observe une minute de silence en hommage à toutes les victimes, quelles qu'elles soient.
11 organisations associatives, syndicales et politiques. La Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la Libre Pensée de Lyon, le collectif Sénonais de soutien aux exilés, la FSU, la CGT, Solidaire, le Parti communiste français, la France insoumise, le PRCF 89 et Europe Écologie Les Verts 89. Donc on a pour habitude de laisser la parole aux organisations qui souhaitent la prendre pour également nous faire part de leur position. Et un grand merci pour leur soutien sans faille. C'est pour les enfants qui meurent, noirs et blancs, car les mômes mourront à coup sûr. Les vieux et riches continueraient de vivre un temps comme toujours. Donc, mais le jour viendra, vous pouvez être sûr qu'il viendra, où les pieds des masses en marche érigeront pour vous un monument d'amour et de joie et de rire. Et les mains noires et les mains blanches se joindront comme une seule. Et un chant s'élèvera jusqu'au ciel, le chant de la vie qui triomphe à travers les mômes qui meurent. Je dédie ce poème bien sûr à tous les enfants et à tous les adultes qui meurent dans les guerres. Et je voudrais aussi dire l'émotion que j'ai eue en voyant cette fois le message de la FPS qui, je crois, a repris Guernica. Et j'ai été cela m'a produit une énorme émotion, d'abord de repenser à Guernica et de voir en effet ce massacre palestinien qui prend toute sa force dans la peinture de Picasso.